Mon Dieu, que ça passe vite, M. Bolduc. Ah, ça extrêmement vite et bien. En plus. Vite et bien? Oui. C'est pas tout le monde qui réussit ça, vous savez? Ah, cette année, les gens sont plus généreux que les cueilleurs nous disent, là, les solliciteurs nous disent. Les gens sont plus généreux cette année, alors c'est magnifique. Bien, M. Bolduc, je vais vous dire, nous, cette année, c'était différent parce qu'on allait rencontrer les gens, allait rencontrer des personnes qui allaient faire la cueillette par les ponts. Et c'est exactement ce qu'on nous a mentionné. Les gens sont généreux cette année. Ça les a même plusieurs impressionnés. Oui, oui. Alors, même, on a eu des victuailles, mais les montants en argent sont plus importants. Et en tout cas, je veux remercier, moi, toute la population de Sainte-Marie. Vous nous donnez ce qu'il faut pour être capable de donner tout au long de l'année à ceux qui manquent dans le secteur. Même cet après-midi, j'ai eu des demandes. Ah, c'est merveilleux. Alors, on va avoir ce qu'il faut pour répondre à ceux qui nous demandent, c'est bien sûr. Monsieur Bolduc, moi, je vous dis un merci personnel au nom de tous ceux qui donnent, tous ceux qui vont cueillir et tous ceux qui vont recevoir. Un merci à vous et toute votre équipe. Vous, merci. Je dis vous et votre dame, parce que votre dame est toujours avec vous. Hey, ça, tu sais, il y a toujours, derrière un homme, il y a toujours une grande dame. Oui, puis elle est là. Oui, puis elle est là. Puis si elle ne me permettait pas d'agir, je ne serais pas ici. Oui. Alors, puis elle s'implique beaucoup avec moi dans l'année aussi. Elle ne fait pas juste vous dire, OK, vas-y, elle y va avec vous. Oui, exactement. Puis tout à l'heure, avant, dans notre petit souper communautaire, elle est l'âme, tu sais, qui va être là aussi. Oui. Alors, vous allez voir, ça va être très bien encore cette année. Bien, on vous remercie énormément. On vous souhaite une belle période des fêtes. Et là, il y aura une distribution qui se fera prochainement. C'est quelle date, la distribution? Le 18 de décembre pour les personnes qui ont besoin. Alors, on a des paniers de provisions. Normalement, on fait au-delà de 100 paniers de provisions. OK. Bien, nous, on sera là pour la distribution, comme plusieurs années maintenant. On y compte bien. Oui. Alors, on se revoit le 18. D'accord. Et merci beaucoup encore à vous et toute votre équipe. Merci à vous autres. Merci à Corb Action aussi qui se met de la partie. Merci, Isabelle. Et, c'est vraiment magnifique ce que vous faites aussi. Seulement que votre sourire, ça nous aide à fonctionner puis à faire une belle journée. C'est rare qu'on me dise ça, que mon sourire. Mais merci beaucoup, M. Bolduc. Isabelle, cette année, c'était encore là. C'était la troisième année. Oui. C'était différent cette année. Oui, j'aimais ça, me promener sur la route, aller cogner aux portes, voir les gens qui sont très accueillants, en effet, et très généreux. Ça a été bien plaisant de faire la route avec nos invités. Ça fait que je pense qu'on peut déjà dire que l'an prochain, elle sera encore des nôtres. On va essayer d'être là. C'est pour une bonne cause. Oui. Ouais. Ben, Isabelle, des joyeuses fêtes à toi aussi. Merci. Merci beaucoup de ta participation. Merci beaucoup à Sylvain, qui était mon caméraman. Et toi, le tien, son nom? Oui, Sébastien Turcotte de Corpo Média. Voilà. Alors, merci à la technique Josiane Nadeau et bien sûr, Sylvie. Et voilà. Bien, merci à toute l'équipe. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. Et également, merci pour votre générosité. Merci pour cette guignolée. Et à tous, de joyeuses fêtes. Merci.